ça, les bleubites? C'est une bastos sphéreuse de 20 kilos. Soupesez-moi ça. Toutes les 5 secondes, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ses impacts ont la force d'une bombe de 38 kilotonnes. Ça fait 3 fois la puissance de la bombe terrienne balancée sur Hiroshima. Ça veut dire que dans l'espace, le plus bel enfant de salaud, c'est Sir Isaac Newton. Deuxième bombe, Burnside. Quelle est la première loi de Newton? Chef, tout objet conserve son état de mouvement rectiligne uniforme, chef. Espère pas te faire boucher avec la moitié de la réponse, sac à foutre. Chef, dans un référentiel galiléen, chef. Exact. Et l'espace est vide. J'ose espérer que vous savez ça, tas de punaises. Une fois qu'on lourde ce joujou, il avance jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Ça peut être un vaisseau ou bien la planète derrière ce vaisseau. Ou alors, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher quelqu'un d'autre dans 10 000 ans. Bref, si vous videz les burnes d'un papa cuirassé, vous êtes sûr que quelqu'un quelque part va pas aimer. Voilà pourquoi on prend toujours le temps d'attendre. Ah, c'est excellent. Oh, vraiment. Et voilà pourquoi, deuxième pompe chung, on ne tire pas au pifomètre. Ceci est une arme de destruction massive. Pas un colt pour jouer les cow-boys du dimanche. Chef, oui, chef. Pardon, monsieur, mais je dois vous demander de retirer tout ampli biotique en votre possession. Hein? Pourquoi? Malheureusement, les amplis biotiques peuvent servir d'armes. Je suis tenu de tous les confisquer. Pouvez-vous me confier le vôtre? J'en ai pas. Je suis pas biotique. Quand vous avez protesté, j'ai cru que... Vous, les humains, vous êtes tous des racistes. Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des guettes, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration guettes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Je n'ai pas l'impression que les guettes soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. Ouais. Étonnant. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Clairement. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes mort. On me dit toujours ça. C'est extrêmement chiant. À qui je dois m'adresser à ce sujet? Le commandant de notre station est juste après les scanners. Vous sortez et vous prenez à droite. Il rectifiera votre identité. Parfait. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout te déballer pour tes... Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Vous ne craignez pas que je sois un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le morse est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. C'est évident. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Ouais, allez-y. Ça m'irait très bien. Voilà, vous pouvez y aller. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Clairement. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? Non. Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Donc, allez voir Anderson, c'est une chose intéressante que je compte faire, mais j'ai aussi l'intention de visiter un peu la citadelle, parce qu'elle a quand même pas mal changé, visiblement.
Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de toute la citadelle. Ah. Les provisions haut de gamme, c'est pas ce que voulait mon cuisinier. Roman L'Ascension, ouais, on va acheter un roman, L'Ascension. Ça suffira. Allons faire un tour. Voir s'il y a moyen de... descendre au niveau 28, par exemple. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Allons. Il y a peut-être des choses à acheter dans ce commerce. Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh, Shepard! On se connaît? Vous, non. Mais moi, oui. Même un Anaris Sédil se rappellerait l'humain qui a repoussé les guettes. Je croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin... à part les interfaces de navigation point and go ultra intuitif, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour ? On n'est qu'à mi-chemin. » Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humain qui a vaincu sa reine, ça vous tente ? Avec joie, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise ? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je monte ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Voilà. Alors, technologie dégâts, ça, je veux. Protection. Ah, je pourrais en acheter qu'un. Mince, technologie. Ou la protection, amélioration du bouclier. Ouais, on va prendre ça. Je vais prendre ça. Ouais. On ne sait jamais. Et voilà. On va améliorer notre protection du bouclier. C'est pas super, super, mais... voyons, des fameux veilleurs. Après, on va éviter des embêtés. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? Sangle de survie. On va prendre une sangle, ça augmente la santé de 8%. Après, on ira, quand on retournera sur le vaisseau, il faudra que j'y pense. Il faudra que j'installe tout ça quand même. Ici, on n'y est pas encore. Cette paria est une voleuse. Hein, quoi? Je veux qu'elle soit arrêtée. C'est quoi ça? Hein? Mais je passais par là, c'est tout. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la! C'est faux. Tout ça, c'est parce que je suis carienne. Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi, être humain. Ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Monsieur, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre... Bah... tout en œuvre pour résoudre cette affaire, et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Vous savez qui dit la vérité? Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle, mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les cariens, et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Belay veut en faire. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit. C'est forcé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Sirta, elle m'a percuté. Quel est le rapport entre vous percuter et voler votre note de crédit? C'est comme ça que les pickpockets opèrent. Ils vous rentrent dedans, et ils en profitent pour vous faire les poches. Il faut toujours les avoir à l'œil. Ces parias. Des voleurs. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé la note à la Fondation Sirta? Évidemment. Vous croyez que je serais assez idiot pour faire ça? D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. La note est restée dans ma poche. Allez. Vous dites avoir été accusé à tort.
J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. Une minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentré dedans devant la Fondation Sirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Elle me rappelle vraiment beaucoup Tali. Un peu la même voix. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage idéal. Ah. Vous êtes au courant du pèlerinage? Bien sûr. J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors? Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Bon, ben on en sait assez. Partons. Faites attention à vous. On va aller demander. Voyons si on peut trouver Fondation Sirta. J'ai senti sa main se glisser dans ma poche. Et quand j'ai vérifié... Sirta Fondation. Bonjour, citoyen. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Un Volus est passé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Ok. Merci de votre aide. Je vous en prie, citoyen. Le citoyen. On m'appelle citoyen. On va demander à lui, on sait jamais. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Eh ben, il a déjà fait le montage. Ah, mon client préféré. Qu'est-ce qui vous amène? Un Volus est passé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Oh oui. Il a acheté des pilotes pour système atmosphérique et il est parti en oubliant sa note. Le temps que je m'aperçoive de son départ, il était déjà trop tard. Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière le comptoir. Eh ben voilà. C'est très bien. Merci de votre aide. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. On n'a plus qu'à aller voir et récupérer. Comme ça, on va rendre son honneur à la pauvre petite carienne. Qui fait vraiment beaucoup penser à Tali. Vous savez comment c'est avec les cariens. Tout ce qui n'est pas soudé au sol, ils le fauchent. Circulez, je vous prie. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Applications. L'employé vous l'a mise de côté. Oh, bon. Ça aurait très bien pu être cette carienne. Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. Trouvez un domicile permanent ou je vous fais coffrer pour... Hey. Vous plaisantez tous les deux. Hein? Vous accusez à tort cette fille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle? Non, mais... attendez une... Et vous? Elle se fait harceler et insulter par ce type, et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage? Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice? Vous comptez coffrer un ancien spectre? Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. Oh, bordel de... Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. Vous pouvez prendre soin de vous à partir de maintenant? J'imagine. La plupart des nuits, je mange de la pâte organique dans un refuge turien, mais je survis. Merci. La pauvre. Bon, on est... Il a chaimassé. Et il appelle son serveur. Allez, on remonte. L'étage du dessus, il n'y avait plus rien à voir, de mémoire. Je pense qu'on avait fait le seul commerce, donc on va remonter encore à l'étage au-dessus. C'est quoi? Avec les lacs du Présidium, ça grouille de poissons. Mais non, voyons. Est-ce que tu y as été, toi? Non. Je me fais refouler par le SSC, soi-disant que je suis dangereux. Ah, c'est la même rengaine pour tous les Krogan. Connard de Turien. On devrait tous les tuer. Des poissons dans le lac du Présidium. Ah là, une énigme intéressante. C'est... les Krogan, c'est... On ne perd jamais son temps à écouter les conversations Krogan. C'est toujours très drôle. Alors, voyons un peu, qu'est-ce qu'il y a ici? Apparemment... Non, mais de toute façon... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parlons affaires. Utilisez notre interface catalogue. Le kiosque, là-bas.
Je vous laisse. À bientôt. Réserve de munitions, ça nous fait augmenter les réserves de 10%. Le gilet d'Aeris, ouais, bon, on va acheter ça. Tout ce qu'on peut acheter est intéressant. Voilà, le reste, c'est trop cher pour nous. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller pour trouver la réponse à la question? Est-ce qu'il y a du poisson? Alors voilà où c'est, quoi, c'est une boîte de nuit. Ah ouais, c'est une discothèque. Oh, c'est cool. Le jardinier du Présidium, regardez. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du Présidium. Vous savez s'il y a des poissons dans les lacs? On me pose souvent la question. À peine moins souvent que où sont les toilettes? Ce sont des lacs artificiels. Les réserves en eau du Présidium, indépendamment des cuves de stockage dans les secteurs. À ma connaissance, le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants, c'est la boutique de cadeaux de Deleia Sanasi. Où c'est cette boutique de cadeaux? Dans les halles, juste sous le bar. Deleia vend des aquariums. C'est un signe extérieur de richesse, un poisson. On ne peut pas avoir d'animal domestique plus gros que ça. Merci de votre aide. Je crois que j'ai une idée. Si vous montez au Présidium, jetez un œil au parterre de Desmarilis en face du canal. Ça rend très bien, je trouve. Je crois que j'ai une idée. Quelque chose de drôle. Voilà des Krogan qui veulent savoir s'il y a des poissons dans le lac du Présidium. Il y a un marchand de poissons à côté des Krogan. Vous la voyez venir, la blague? Non? Mais si, réfléchissez deux minutes. Combien ça coûte des poissons? Allons, petit de souvenir. Limande. Limande pour 500. Hop. Par contre, je vais acheter les maquettes. Par contre, ça m'intéresse. Hop, voilà. Ça, c'est mon la collection. Allons voir. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ça vous intéresse tellement de savoir s'il y a du poisson au Présidium? C'est ultra décadent. Bouffer du poisson au Présidium, ce serait comme tringler Shaira. Tant. Les Asari sont mollasses. Il n'y a rien d'assez solide à empoigner. Je vous ai entendu parler des poissons du Présidium. Hein? Vous voulez dire qu'il y en a vraiment? Bien sûr, je viens d'en prendre un. Tenez, je l'ai là sur moi. Je vous l'achète. Et moi, vous ne croyez pas que j'ai faim? Je me suis farci tout le chemin jusqu'au Présidium pour ça. Pourquoi je le donnerais au premier Krogan venu? Je vous l'achète à prix d'or. Non, je vois que vous le voulez vraiment. Tenez. Tu n'économisais pas pour t'acheter un nouveau flingue? Qu'est-ce que ça peut faire? J'aurais pas eu le droit de m'en servir. Merci, humain. Bien des croquades ont dû en rêver. Mais c'est moi qui ai réussi le premier. Préférer une saloperie de poiscaille à un flingue. Non, j'aime trop. J'adore. Allons. Voilà, j'ai gagné 1000 crédits avec cette blague nette. C'est bon. Voilà, quoi, c'est tout. On va aller voir. Je crois qu'on a fait le tour. Allons voir Anderson. Voilà donc le Présidium tel qu'on cet entretien dit. Serait plus productif si Udina consentait à nous rejoindre. Le conseiller Udina n'est pas disponible, mais je parle en son nom et avec son entière approbation. Shepard arrivera d'ici... Ah, commandant, nous parlions justement de vous. Ça faisait un bail, Anderson. J'espère que vous avez profité de ces deux dernières années. J'ai eu des hauts et des bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons entendu bien des rumeurs concernant votre retour inopiné. Certaines sont préoccupantes. Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, Shepard. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et ses guettes. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les systèmes Terminus sont hors de notre juridiction. Vos colons ont quitté l'espace concilien en toute connaissance de cause. Vous omettez le plus important, conseiller. Les moissonneurs sont impliqués. Ah oui, les moissonneurs.
ces vaisseaux immortels doués de conscience qui, à vous croire, sommeilleraient dans l'abîme. Nous avons déjà statué sur et rejeté ces allégations. Shepard, personne d'autre que vous n'a rencontré l'hologramme sur Ilos qui vous a révélé l'existence des moissonneurs. Vos coéquipiers et vous avez été les seuls à parler à Sovereign. Je vous crois. Mais en l'absence d'une deuxième source pour corroborer vos dires, les autres pensent que c'était Saren qui menait l'attaque des Geths. Saren était un organique. Les Geths ne l'auraient jamais accepté comme chef. S'ils l'ont suivi, c'est uniquement parce que c'était l'agent de Sovereign. Saren dégageait un charisme, une force de persuasion rare. Il a convaincu les Geths de l'existence des moissonneurs, tout comme il vous a convaincu, vous. C'était un élément comme un autre dans sa stratégie d'attaque de la citadelle. Les moissonneurs ne sont qu'un mythe. Un mythe que vous vous acharnez à perpétuer. Vous croyez à ce que vous dites, mais sincérité n'est pas gage de véracité. Retournez parler à Vigil sur Ilos, ou bien examinez les restes de Sovereign. C'est une technologie bien plus avancée que la nôtre, ça crève les yeux. L'hologramme sur Ilos n'est plus fonctionnel, et nous n'avons rien trouvé qui indique que Sovereign n'était pas une création des Geths. Les Geths sont capables de véritables prouesses technologiques. C'est sans doute pour cela que Saren les a recrutés. Cette théorie des moissonneurs ne fait que mettre en évidence votre fragilité mentale. Vous avez été manipulé par Cerberus d'une part, mais aussi par Saren. J'ai empêché Saren de conquérir la citadelle. J'ai sacrifié des vies humaines pour sauver ce conseil. Comprenez notre position, Shepard. En vous alliant à Cerberus, un ennemi avoué du Conseil, vous êtes passible de haute trahison. Vous allez trop loin. Shepard est un héros. Si le conseiller Udina était présent, il ne tolérerait pas cette mascarade. Nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Sans pour autant vous soutenir publiquement, nous pourrions vous fournir un appui indirect. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. C'est... Ouais, c'est mieux que rien. On va accepter. J'accepte votre offre. Je suis heureux que le Conseil soit de mon côté. Bonne chance dans votre enquête, Shepard. Nous espérons qu'elle sera vite résolue et que vous vous affranchirez rapidement de Cerberus. J'ai l'impression que si Miranda soit d'accord, mais bon. Ça s'est mieux passé que je pensais. Ouais. Vous êtes bien conscient que l'offre du Conseil est purement symbolique. Ils ne lèveront pas le petit doigt. Même s'ils refusent de m'aider, autant rester en bon terme. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour le Conseil ou l'Alliance. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il vous lâche la grappe. Tant que vous restez dans les systèmes Terminus, ça ne devrait pas poser de problème. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Je passais rendre visite à Anderson, c'est tout. Vous n'avez pas à me couvrir. J'ai invité Shepard à une audience avec le Conseil. Nous venons de terminer notre entrevue. Vous avez contacté le Conseil sans m'en parler? Les mots bourbiers politiques ont-ils seulement un sens pour vous? Le Conseil a rétabli mon statut de spectre, du moment que je reste dans les systèmes Terminus. Oui, je comprends l'intérêt de cet accord pour les deux parties. Mais vous n'aviez aucun droit d'agir sans mon aval. Il est peut-être temps que l'Alliance m'affecte un autre conseiller. Anderson s'est emparé d'une situation impossible, et grâce à lui, tout le monde y trouve son compte. Vous pouvez prétendre que vous étiez au courant ou bien expliquer à l'Alliance ce qui a motivé mon éviction. Vous ne me laissez pas d'autre choix. J'annoncerai au Conseil que je vous suis solidaire. Ne traînez pas. L'amitié du Conseil est capricieuse. Au revoir, Shepard. J'espère que vous repartirez pour les systèmes Terminus. Ce serait le mieux pour nous tous. Sacrée crevure, ce Udina. Quel crétin. Ouais. Udina était déjà une plaie avant de siéger au Conseil. Depuis, c'est 10 fois pire. Mais je dois admettre qu'il tient son rang. Sa position au Conseil lui a permis de défendre au mieux les intérêts de l'Alliance. Si nous n'arrêtons pas les moissonneurs, ses efforts ne serviront à rien. Il a pris sa décision, malheureusement. Tout comme le reste du Conseil. Vous gaspillez vos forces à les mettre en garde. Vous feriez mieux de vous concentrer sur les récolteurs. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état? Nous n'en sommes pas encore là.
Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. À ce qu'on dit, la guerre contre les guettes se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Bon, bah, il va bien falloir que je pose la question. Oh, on va parler d'abord de l'épave. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. Bon, on va parler d'acheter, au fond. C'était ma petite amie. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus, après tout. Ouais, génial. Ça fait froid dans le dos, la manière dont il m'a remis en bas ma place. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours aux ordres d'Oudina, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Oubliez Oudina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Bon, ben, au revoir, alors. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance. Oui, je sais. Miranda, écoutez, on va éviter de l'agacer, mais bon, il n'a pas tort. On va retourner sur le Normandie.